pas vu que vous étiez là. Je suis désolé, excusez-moi. J'étais derrière, je suis désolé. Moins 30, c'est excusez-moi, madame. C'est pas grave. Je vous ai fait patienter à la caisse. Non, mais c'est bon, il y a certainement d'autres choses à faire. Non, non, c'est bon. Excusez-moi mille fois, parce que ma place est ici, c'est pas derrière. C'est pas grave. Je le regrette. C'est pas grave. J'ai oublié mon badge. J'ai le temps d'aller chercher. Attendez une seconde, juste j'arrive. Ça va super vite. On brouille vraiment. Bon badge. Y'a pas quelqu'un qui a pris mon badge? Vous avez pas besoin de votre badge pour m'encaisser, non? C'est ce que c'est personnel, les badges. Ah. Bon, bah écoutez, je repasserai parce que je suis pressée, alors désolé. Vous avez regardé deux secondes ici. Je cherche de la crème pour les hémorroïdes. J'ai pas tenu. De la crème pour les hémorroïdes. Okay. Je pense que c'est plutôt en pharmacie, non? Non, je n'ai pas la réalité. Ce que je sais pas, c'est de gros escarres ou de... Je sais pas. C'est mon mari. Donc il a pas trop voulu rentrer dans les détails, vous voyez. Ok, je comprends. Ce que je voulais savoir, admettons... Voilà. Et ça, c'est son anus. Hein? Mmh. Je vais savoir s'il y a des fistules comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire que... Je sais pas, j'en ai jamais eu moi des hémorroïdes, je sais pas à quoi ça ressemble. Quand ces selles sortent, est-ce qu'elles sont encore rondes ou elles sont comme de la mayonnaise, vous voyez ce que je veux dire, il fait popo noir ou beige? Je sais pas, je vais pas poser la question. Je vais pas lui demander, juste. Ça va direct ma fille, ça. Mais qu'est-ce que tu réponds là? Et ça moutarde quand il... Ça moutarde? Ouais. Je sais pas. C'est liquide, quoi. Ça peut être un indice, ça va. Ah, chérie. Attendez. Je veux dire, est-ce que quand il va à salle, est-ce que ça moutarde ou pas? Est-ce que ça moutarde ou pas quand tu t'essuies? Avec des filets de sang? Est-ce qu'il y a des filets de sang? Oui. Je te passe le pharmacien. Je vais vous expliquer directement. Oui, bonjour monsieur. La couleur, la texture, savoir si ça moutarde, si ça moutarde pas. Avec des filets de sang, sans filets de sang? On a de la chance qu'il n'y a personne. Hein. Est-ce que ça moutarde parfois? Parce que ça, votre femme ne sait pas. Est-ce que ça moutarde parfois? Ça pique. Ok, ça, c'est des indices. Donc, à mon avis, l'élastique anal est légèrement endommagé. Donc, ce que je vais vous mettre, c'est plutôt... Oui, madame. Donc, ce que je vais vous mettre, c'est plutôt une crème. Vous allez vous mettre à l'intérieur de l'anus. Peut-être demander à madame si elle peut le faire. Je ne sais pas si je vous expliquerai. Ah non, il se débrouille. Mais, il dit que vous pourriez éventuellement... Oui, ça, on s'arrangera entre nous. Hein, cherchez pas. Okay. Donc, j'expliquerai à madame parce qu'il faut rentrer un tiers du doigt. Et avec la crème appliquée légèrement, 3 à 4 fois par jour. Comparé aux selles de votre femme, c'est plutôt des grosses ou des petites? C'est rien. Oh, il faut que je vois l'anus, hein. C'est difficile de dire comme ça, ça voit l'anus. Et si vous n'avez pas faire une photo de votre anus et envoyer par photo sur le téléphone de votre femme pour que je puisse voir? Oui? Ok, je vous la repasse. Je vous remercie, moi, cher monsieur. Il va envoyer une photo de son anus. Il va envoyer une photo. Ouais, je te laisse. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien. La prochaine fois, vous dites? Il va jeter sa crème tout seul. Non, c'est pas évident. Hein. C'est ça que j'ai dit, un anus n'est pas l'autre. Hein. Il y en a qui vont avoir un gros anus, l'autre va avoir plus. Vous avez ou pas alors? Oui, je vais regarder ce que j'ai. Apparemment, vous en avez mis un dans votre sac. C'est quoi, hein? Il détecte que vous en avez mis un dans votre sac. Qui, moi, j'ai mis un dans mon sac. Je n'ai pas mis le truc dans mon sac, moi. C'est grave, hein? Oui, Dominique, j'ai une dame qui a... Qui... Oui, faites venir le directeur. J'ai une dame dont le scanner sonne. Elle vient simplement acheter un petit foutu pour mettre sur sa tête. Et elle en a mis d'autres dans son sac parce que je vois que c'est des sacs à... à double paroi. Appelez le directeur, ça ne me plaît pas du tout. C'est des sacs à double paroi. Appelez le directeur. Je crois qu'elle en a mis un dans son sac. Un ou deux, ou peut-être autre chose, ça, je ne sais pas dire.
Mais je vais porter plainte contre vous, hein. Non, non, elle dit je vais porter plainte contre vous. Oui, parce que vous n'avez pas à dire des choses comme ça, monsieur. Moi, je le prends très mal. Je suis pas une voleuse. Ah oui, non, mais attends. Non, il n'y a personne qui me traite comme ça. Voilà, tu as confiance en moi. Ok, je te la passe. Ouais, mais bien sûr. Mais il a bien tort d'avoir confiance en vous. Il a l'air content. Hein. Ah ben moi, non plus, je suis pas contente, monsieur. Hein. Bonjour, monsieur. Écoutez, j'ai pris un bandeau, il y en avait un seul. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, monsieur. Je n'en ai rien à foutre. Je vous vois dans la caméra de surveillance. Ah ben tant mieux, qui me voit. Alors, si vous avez une caméra qui enregistre, moi, je ne suis pas une voleuse. Quoi? Vous m'avez scanné dans la caméra depuis un bon moment et moi j'ai quelque chose dans mon sac. Ça sonne encore dans son sac, hein, monsieur? Il est là-bas derrière, je crois. Bon, mais alors qu'ils viennent alors. Mais venez, monsieur. Oui, mais je veux que vous veniez. Non, c'est pas lui. J'ai confondu. Venez-moi. Oui. Moi je veux bien vider entièrement mon sac si vous voulez devant vous, là, monsieur. Je peux lui demander qu'elle vide le sac sur le comptoir, comme ça vous le voyez si vous voulez. Mais bien sûr. Voilà, Sandy, vous venez de me le mettre là. Vous voyez? Non, mais ça, vous venez de me le mettre dans le sac. Voyez, il n'y était pas. Il était dans son sac. Posez ça là. Je n'ai pas d'autre. Je n'en ai. Il dit bingo aussi. Il dit bingo. Mais vous êtes des malades, vous. Mais c'est grave, vous. Quoi? Mais dites-moi, mais c'est des fous ici, Je rigole parce que je me suis fait blanchir les dents. Oui. C'est autre chose, hein. Oui. Ah, quel plaisir. J'ai vraiment redécouvert ma dentition. Mais pourquoi pas? Le sourire, ça fait toujours plaisir, le sourire, de toute façon. C'est le passeport pour la vie. Oui, je suis de votre avis. Bonjour. Enchanté. Oh, wow. Vous êtes en forme. Oui. Très bien. En plus, je prends mes pilules. Bon, oh, c'est autre chose. Pendant 2 ans, j'ai fait une très grosse dépression nerveuse. Sous un anxiolytique carabiné. Et là, maintenant, je me prends des petites gélules que je prends le matin. J'en prends 4 le matin, 3 à midi, 2 le soir. Roses. Exactement. Voilà. Et c'est un plaisir. Pourquoi pas? Si ça vous fait du bien. Voilà. Mais j'ai après ça de descendre vertigineuse. Quoi, toujours avec ce genre de petites pilules. Mais ça dérègle tout, hein, vraiment. Bah, écoutez, ma vie sexuelle est réduite à néant. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous avez le sourire. Exactement. Voilà, c'est essentiel. Je peux vous régler quand même. Ah là 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 là. Apparemment, il y a de nouveau d'autres trucs. Vous avez été rechercher d'autres choses, apparemment. Non, mais tout, moi, non, là, vous êtes malade. Non, mais là, vous êtes très, très malade. Il n'y a rien et je me pousse parce que j'ai pas envie que vous me... Dominique, elle est partie et elle a dû aller rechercher d'autres choses dans d'autres rayons. Alors, moi, je... Grâce. Bonjour madame. Merci. Madame Pina. J'ai entendu vous péter. C'est ce que j'ai compris aussi. Ne cherchez pas à comprendre le latin, il faut voir de suite. Ouais. Ça relève de la psy. Moi je vous assure, ça relève de la psy. Donc laissez courir. Si vous voulez mon avis, elle relève de la psy. Ah oui, absolument. Complètement. Complètement. C'est ce que je vous dis. Bien sûr, si vous voulez, ma vie, qu'elle vient se faire enculer. Non, mais si elle sort, ça doit sonner. Hein? Allô? Oui, j'ai une dame qui a tout vu, qui est prête à témoigner ici, qui a vu qu'elle avait encore d'autres trucs dans son sac. Elle dit que si ça va en justice, elle est prête à venir avec moi pour témoigner pour moi et que pour leur design, quoi. Elle croit qu'elle a une arme en plus. Mais non, ça, ne me faites pas dire ça, j'ai pas dit ça. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle avait une petite fourgonnette avec des armes dedans, de destruction massive. Et puis la dame? Que vous m'avez dit, oui. Moi, j'ai dit ça? Plaisantez, là, ou quoi? Et qu'elle m'a dit, elle relève de la psy, elle m'a dit. Donc, elle a bien vu que la nana, elle était complètement barrée, et elle veut bien la neutraliser. N'allez pas trop loin non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle a dit qu'elle allait trop loin, la dame. Alors, je te prie de me croire que cette dame, je peux avoir votre identité, s'il vous plaît, madame? Ah non, je suis désolée. Voilà. Non, parce que là, vous allez trop loin dans ce que vous dites. Elle m'a proposé... Vous, là, vous dites des choses que je n'ai pas dites. Rendez-moi la carte, s'il vous plaît. La semaine prochaine, vous seriez prêt à venir au tribunal? Non, je ne viens directeur. Pas au tribunal du tout. Monsieur, rendez-moi ma carte, s'il vous plaît. Donnez-moi ma carte, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Voilà, elle veut bien témoigner, voilà. Ça, c'est super.